Alors bonjour, on est en train de boire un café L'Estra qui se situe au Bouchage, enfin dans la commune du Bouchage qui est à côté de Morestel en fait. Voilà, et là on est en train de déguster un café Guatemala, suave gourmand et note de chocolat en fait. Est-ce que tu aimes bien Oui, j'aime bien de découvrir des nouveaux produits, comme par exemple de la nouvelle poudre de café C'est vrai que, et de en fait, quand farine. c'est torréfié, si tu veux, quand c'est torréfié par un torréfacteur et pas acheté en commerce, c'est vrai que les goûts sont complètement différents, quoi. Oui. On sent mieux les arômes que acheté à Intermarché ou à Auchan ou Carrefour, quoi. Oui, exactement. Après, bon, c'est pas la même qualité, quoi. Mais C'est non, vrai que c'est un là, on peu, est c'est sur pas. du Oui. torréfié maison. Oui. C'est quand il est torréfié dans le village, il me disait, mon père, comme il est adjoint au maire, Oui. ça sent vachement, quoi, en fait. Oui, d'accord. On sent beaucoup l'odeur de la torréfaction, quoi. D'accord. Ah oui, c'est le Bouchage 38510. En fait, voilà. Et c'est un café Lesra qui est très bon. Ouais. Donc, si vous êtes intéressé, sachez que ils ont un compte Facebook. En fait, vous marquez Café Lesra et vous trouverez le site. Oui, ils ont un compte Instagram, c'est vu aussi. Aussi, ouais. Bon, ils n'ont pas de chaîne YouTube, mais par contre, on peut les retrouver sur www.café.lestra, oui. Oui, Voilà. exactement, oui. Voilà quoi. Et ils ont pas mal de produits quoi. Hein. Après, je pourrais mettre le site en lien, je pense que je vais mettre. Merci, monsieur Jérôme Roboto. Et toi, c'est quel genre de café que t'aimes bien? Est-ce que t'as une idée un peu arrêtée ou pas trop? Ben, T'aimes bien découvrir? j'aime bien deux choses, j'aime bien découvrir et j'aime bien le café avec du sucre. D'accord. Non, pas du sucre en morceaux, mais du sucre en poudre. D'accord, oui. Faudrait que je m'en achète parce que j'avoue que ça fait un certain moment que j'en ai pas pris, mais après, ouais, il faudrait que j'en prenne au moins un paquet que je garde pour les gens quand ils viennent. Oui, pas de problème, oui. Bon, je pense que c'est la prochaine fois Effectivement. ouais, que j'irai à Intermarché. Oui. Faudrait que. D'accord. C'est vrai, vu que maintenant il y a le marché, tu sais, le mardi, je prends tout là-bas quasiment et des fois j'arrive à quasiment plus aller à Intermarché quoi, pour les courses parce que je prends les légumes qu'il y a là-bas, les fruits qu'il y a là-bas. Bon, après le dessert, c'est simple, c'est le fromager. Tu as des Oui. yaourts faits maison par le fromager, puis tu as du fromage. Puis ils font des crèmes dessert aussi. Oui, d'accord, oui. Choco café. Alors le fromager, je sais pas comment il s'appelle. Il faudrait que je prenne une carte de visite de lui. Parce Oui, que d'accord. c'est pas mal ce qu'il fait. Puis c'est Oui. local, quoi. J'aime J'aime bien quand bien. c'est local. Oui. Ça fait travailler les commerçants, les commerçants locaux et c'est pas mal parce que Et c'est Rome je un pense peu. qu'ils en souffrent en ce moment avec la période de Covid, Oui. l'inflation. C'est vrai que c'est Et en compliqué même pour. temps, tu peux montrer aussi les cette table bistrot, café Oui. bistrot. Alors attends, je vais abaisser la caméra, tu vois. Oui. Attends. Abaisser. Ouais, est-ce qu'on peut zoomer Non, ou. mais si c'est le même Ouais, attends. fournisseur, si c'est pas le Voilà. même, c'est pas la peine. Ouais, c'est même. Et voilà, en fait, on l'a acheté, sans mentir, aujourd'hui même, ce matin, à Centraccor. Donc, comme quoi, on arrive à être d'accord sur quelque chose, quoi. Oui, Centraccor, d'accord, voilà quoi. Bon. d'accord. Bon, un petit jeu de mots, mais. Et un petit mot.
pour faire rigoler les personnes qui voient cette vidéo. Ou peut-être pas, parce que après tout le monde ne comprend pas forcément le même humour, quoi. Mais exactement. Voilà. Donc, bon, bah, pour moi, c'est tout bon. Pour moi aussi, c'est tout bon. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça fait plein de vidéos, plein de photos et tout ça. Après, oui, pour trouver mon Facebook, bah, c'est Jérôme Reposo, et puis on me voit avec un pull de Noël. Oui. Marc, y a 1 500 000 personnes et je suis le seul con à mettre un pull de Noël en période quand c'est fini. C'est vrai que bon, en gros, pour me reconnaître, c'est facile, quoi. T'as 50 Jérôme, il est le seul qui porte un pull de Noël en plein été, par exemple. À croire que voilà, je Exactement. suis vraiment hors sol, soit je suis hors sol ou alors décalé, quoi. Mais Oui, bon, après, en exactement. même temps, c'est j'ai envie de dire, j'ai envie de non, c'est la réplique, l'exception fait la règle. On va dire que c'est ça qui marque un peu les esprits, quoi. Oui, exactement, c'est Rome. La signature d'une marque, on va dire. Enfin, c'est pas une marque, hein, mais bon. Attention, Reposo n'est pas une marque de vêtements, Ah ni oui. d'affaires, ni de café, ni de vêtements. Non, ouais, si vous cherchez reposer sur Google, bon, vous risquez de me voir, mais vous ne trouverez pas de vêtements ou d'objets à mon nom. Ça, non. Non, non, c'est pas prévu encore. Remarque, j'aurais pu faire comme Céline Dion, faire mon parfum, mais bon. Alors, je ne suis pas ni né, je ne suis pas biologiste, donc concrètement, les parfums, si j'en fais, je suis pas sûr qu'ils sentent vraiment bon et que ça marche bien, quoi. Enfin, voilà, on va dire, vu la notoriété que j'ai comparé à Céline Dion, bah, c'est sûr que bon, je vais faire plutôt un flop qu'un top. Enfin, voilà, quoi. En gros, voilà pour terminer. Bon, bah, peut-être à plus tard. Peut-être plus Plus tard. tard, voilà. Et puis, d'ici là, soyez prudents. Soyez prudents, oui.